Ясно. Ясно всё. Quand on fait une recherche sur un détecteur de talent à la lettre Ya à Saint-Pétersbourg, on trouve étonnant voyageur. Toujours un promoteur farouche de la culture, de la littérature, de l'accès à la lecture, partout et pour tous, Mikhaïl Yasnov est accueilli au Festival de Saint-Malo pour une conférence sur Brodsky. Critique, poète, étonnant non, Mikhaïl Yasnov traduit Jacques Charpentreau. Un album illustré de poèmes français traduits en russe à l'intention des enfants vient de paraître en Russie. Une présentation de cet album est prévue à la Société des poètes français à Paris le 27 février 2012. Et de cet auteur largement diffusé, traduit en plusieurs langues, Mikhaïl Yasnov écrit « Même lyrique, le poète qui écrit pour les enfants regarde le monde avec leurs yeux. Cette qualité est constante en l'œuvre pour adultes de Jacques Charpentreau. Digne héritier de Marchak et de Tchoukovski, mais aussi disciple d'Efi Metkin, Mikhaïl Yasnov est une figure de la poésie contemporaine en Russie. Son œuvre est traduite en français. Jean-Luc Moreau est traducteur de ses poèmes. La tortue. J'aurais besoin, vu la poussière que je ramasse ventre à terre, quand nous aurons des visiteurs, d'un petit coup d'aspirateur. Cette poésie des rimes et des sonorités est publiée dans un magnifique album illustré par Yulia Bagatova et publié en Russie. Детское время. Le temps des enfants. Черепашка. Я брожу весь день пешком, подметаю пол брюшком. Перед тем, как будут гости, вы меня пропылесосьте. Le veau. À 8 jours, on n'est pas grand, mais je suis un veau charmant. Déjà, je peux vous aider à brouter l'herbe du pré. Une partie des quatrains de son bestiaire, qui n'est pas sans rappeler celui d'Apollinaire, ont inspiré à Sacha Poliakova les illustrations de l'album « Quand toutou se carapate », traduit par Jean-Luc Moreau, publié chez Hachette et Gauthier Langereau en 2006. Sa poésie très imagée fait chanter la langue. Elle multiplie les initiatives pour stimuler le goût de la lecture chez les enfants et l'amour de la langue. Dans ses publications magnifiquement illustrées, Mikhaïl Yasnov s'adresse à ses lecteurs. Praznik Bukvaria, une fête en abécédaire. Cher lecteur, peut-être n'es-tu pas encore lecteur, mais seulement un auditeur. Mais si tu as ouvert ce livre, que tu en as regardé les illustrations et essayé de lire les lettres et les mots, ça veut dire que tu es presque un véritable lecteur. Et je souhaiterais qu'atteignant la dernière page, tu sois devenu un véritable lecteur. Mikhaïl Yasnov, amoureux de la langue française et de la traduction, publie des anthologies bilingues. La traduction d'Edmond Rostand a vu la publication récente d'un magnifique album de Cyrano de Bergerac dans sa version bilingue. La poésie en langue étrangère doit être un support pour l'apprentissage des langues. En 2003, Mikhaïl Yasnov est couronné du prix de la poésie Basmachière pour sa traduction de Guillaume Apollinaire. La liste des poètes français traduits par Mikhaïl Yasnov est longue. Apollinaire, Prévert, Verlaine, Valéry, Cocteau, Rimbaud, Deguy. Il publie des recueils de contes de Vercors, Maurice Carême, Claude Roy, Pierre Gripari, des œuvres de Ionesco, des essais de Jean Blot. On lui doit un important travail de recherche et de publication sur les surréalistes français, les symbolistes belges. Très actif, il s'emploie à la traduction et à la diffusion de la poésie francophone. Sans oublier 2 ouvrages, des traductions des ballades et des contes bretons, Bretonskie skazki, Bretonskie ballade. Dans un grand projet de coopération en 2010-2011 avec le ministère de la Culture canadien, il publie dans la collection qu'il dirige à Saint-Pétersbourg une anthologie de la poésie canadienne. Il consacre de nombreuses études à la littérature française et aux problèmes de la traduction littéraire. Pour Mikhaïl Yasnov, la traduction, c'est l'art de la perte. L'art de la traduction. De plus en plus, cet éternel jardin m'évoque un rêve instable, où les détails sont reconnaissables, mais le regard quelque peu décalé. Sous l'écorce des arbres, comme sous le cerveau, de nombreuses contrées sont tapies. Les branches mortes bruissent sous les pas, tel le temps passé. Et moi, otage de réactions tracées à l'avance, je marche,
dans les traces d'autrui. Au jardinier, au bûcheron, à chacun je rendrai justice. Et peut-être dans ce rêve, le mieux est-il d'imaginer qu'on ait l'empreinte fraîche, l'écho transcrit du lendemain. 1995, traduction de Christine Zetounian-Bellous. La poésie de Yasnov trouve son inspiration dans des sources multiculturelles. Sa dernière publication, en 2011, Ambidextre, est un recueil de poésie pour adultes. Mikhaïl Yasnov soutient aussi activement la diffusion de la poésie russe auprès de ses lecteurs à travers le monde. Mikhaïl Yasnov est aujourd'hui parmi nous, en pays nantais. Il dit aujourd'hui s'intéresser à l'œuvre de Paul Perret.